Bonjour, ici Rachel. C'est la Sainte Aimée. Surveillons la qualité de nos communications et de nos échanges. Bélier, vous pourriez démarrer ou décider d'une formation. Uranus provoquera des surprises, une proposition ou une décision sera à prendre. Taureau, ne restez pas enfermé, faites ce que vous aimez. Les exigences excessives ne sont bonnes ni pour vous, ni pour ceux à qui vous voulez les imposer. Gémeaux, une affaire intéressante vous tombe du ciel et vous fait réfléchir. Votre maîtrise de la stratégie vous garantira de très bons résultats. Cancer, ne vous emballez pas. Ne démarrez pas au quart de tour sur un simple feeling. Donnez-vous au moins une nuit de réflexion. Lion, regain de force et d'optimisme. Les désirs engendrent le progrès. Ne limitez pas vos désirs. Il serait bon de vous accorder une récompense ou un grand plaisir. Vierge, vous avez une perspective précise sur du long terme. Vous êtes parfaitement capable de faire un bon choix. Balance, vous êtes plus combatif que jamais. Peut-être même agressif et dominateur. Soit, parfois, il faut en être capable. Scorpion, là où il y a des échecs, il y a une attitude erronée qu'il faut modifier. Stop à l'anxiété. Sagittaire, jour de succès professionnel, vous apprécierez particulièrement la présence d'une balance ou d'un bélier et vous saurez ensemble recentrer vos objectifs communs. Capricorne, signe fort du jour. Capricorne, allez jusqu'au bout. Accordez-vous le droit et le temps de découvrir les choses qui vous plaisent. Verseau, signe d'amour du jour. Occasion de séduire fulgurante. Ayez confiance malgré vos blessures. Parce que vous serez aimé. Poisson, quand le corps présente des symptômes évidents de fatigue, il faut l'écouter et le plus rapidement possible faire une pause et se reposer. Ici Rachel, un beau jour commence. Savez-vous que nous assistons à la naissance d'un tout nouveau type de monde nourri par l'amour ?